je m'appelle Juliane Dallatria. Je suis monégasque, un de 9612 personnes. Dans la principauté, nous avons à peu près entre 35 à 40 000 habitants. Mais monégasque, on n'est que 9 000 et quelques. Aujourd'hui, c'est presque impossible de devenir monégasque. C'est vraiment un honneur d'être parmi partie de Monaco. Votre métier, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis avec... j'ai investi dans l'air comprimé. Oui, aujourd'hui, je suis en fait pour avec Hermès, que c'est ma maison préférée. Et aussi, j'ai pris un robe pour les printemps, c'est Dolce Vita, Dolce Gabbana. Parce qu'on est presque très très proche de l'été. Et moi, j'ai l'esprit de fleurs pour amener l'harmonie et la joie de la principauté à Monaco. Cartier, Van Cleef, c'est mes marques préférées, Patek Philippe. Oui. Graff, Cartier et un petit peu de Van Cleef. Les maisons que je préfère, c'est Cartier, Dior et Chanel. Pour l'été, j'aime bien les accents dans l'esprit de Dolce, parce que ça change un petit peu. Excusez-nous, qu'est-ce que vous avez choisi votre robe, votre look aujourd'hui? Oui, mon look aujourd'hui, j'ai choisi parce qu'on a du soleil, on a l'harmonie, la joie de vivre. Tout est en train de pousser, de fleurir. Alors, je pensais vraiment de prendre Dolce pour mettre un accent de joie parmi nous. Bonjour. Adrienne. Donc c'est une marque française qui s'appelle Sœur. Voilà, qui date d'il y a 2 ans, je pense. Une collection d'il y a 2 ans. Le foulard est un foulard d'une nouvelle marque monégasque qui s'appelle Monoikos 1297. Donc voilà, 100% coton. Très agréable, c'est du voile de coton. Extrêmement léger. Parfait pour la température actuelle. C'est une voiture? Oui. Formule 1. Exactement. Parce que nous sommes en ce moment au Grand Prix de Monaco. Donc j'ai voulu être dans le thème avec ces motifs de Formule 1. Comme vous pouvez le voir. Et cette légèreté qui correspond parfaitement à la température actuelle. Alors, les chaussures sont des chaussures assez classiques. Adidas. Voilà. Pour plus de confort parce que... En période de Grand Prix, on court un petit peu partout, donc il faut toujours être confortable et pour casser un petit peu le style, pas être trop chic. Chic décontracté. Et le chapeau pour un peu plus de gaieté, parce que la tenue est assez sobre. Donc le chapeau, sous ce temps très chaud, avec beaucoup de soleil, un chapeau accessoirisé avec un foulard, un petit, on appelle ça un malicieux. C'est un petit foulard aussi de la marque Monoikos. La même marque, la même collection qui est sortie en édition limitée cette année pour le Grand Prix de Monaco. En soie, 100% soie. Alors, vous avez beaucoup d'accessoires. Exactement. Alors, ce sont des marques. Alors, cette bague, c'est une bague Hermès, assez classique. Cette bague est une bague Christophe, donc que de l'argent. Cette bague n'a pas de marque. C'est une bague achetée en Inde il y a 10 ans. C'est une marque d'il y a longtemps. Un bracelet Hermès, une montre Rolex et un bracelet Dinvan. Donc plutôt, tout est en argent. Un collier aussi que j'ai oublié de mentionner, un collier de la marque Boucheron. Le classique, les 4 de la marque Boucheron. Alors j'ai voulu quelque chose initialement d'assez sobre. Pratique avec la chaleur environnante et pour apporter un petit peu plus de peps, donc utiliser ce foulard et ce chapeau, un peu de gaieté et voilà pour rappeler le côté estival de la saison. Oui. Exactement.
marque, bah parce que ce sont des choses qui perdurent dans le temps. On connaît la qualité artisanale et Hermès, j'ai quand même deux choses Hermès parce que ce sont des marques françaises. Mon prénom ? Anissa. Anissa. Oui. Et qu'est-ce que vous faites de votre travail, métier ? Secrétaire. Et après, j'aimerais bien savoir connaître la marque de votre article, aujourd'hui. Donc votre jacket, c'est quelle marque ? Ça ? Oui. C'est Zara. C'est Zara ? Oui. C'est, alors, t-shirt ? Pareil. Zara ? Oui. Et le pantalon ? Pareil. Oui. Et les chaussures ? Hermès. Hermès, oui. Oh. Et après, bien sûr, le sac. Le sac, voilà. Bah sinon, bah, sinon qu'est-ce que vous faites à Paris quand vous avez voilà, confortable, c'est plus important pour vous. Et oui, avec les enfants, oui, il faut que ça soit un petit peu confortable. Oui, ouais, bien sûr. Bouger. Voilà, c'est ça, c'est ça. Sinon, quelle marque de luxe que vous aimez bien? De luxe je sais pas, Dior, bien Hermès. Dior, Chanel. Dior, Chanel, Hermès aussi, elle aime bien. Parce que papa aussi, c'est joli. Oui. Oui, merci. Moi, j'adore Dior, en fait. Voilà, ça, c'est Dior. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Après, ça, c'est... Ouais, c'est le bouquin, ça. C'est le non, il y a ici, chez nous, à Monaco. Ouais. Alors, Zaya, elle adore les trucs japonais, c'est ça? Ah oui. Parce qu'elle trouve que c'est kawaii, elle dit kawaii. Ouais. Ouais. Et aussi, elle aime bien les trucs Hello Kitty. Ouais. Allez, ouais, merci beaucoup. Allez, merci, au revoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Susanna. Susanna. Yes. Job of fashion industry. She from the fit this Saint Laurent. Ah, this is Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yes, my job. Knate. One brand. Knate. And sure, Jimmy Choo. Alors, describe your style. My style? Yes. Elegant. Elegant. Classic elegant. Classic. Elegant. Classic elegant. What are you doing to do now? We want to eat in casino, restaurant, right? Maybe we play in casino. Thank you so much.